How can the biggest games in the world transform a city? I'm in Saint-Denis, located in the north of Paris and among one of the poorest suburbs in France. But this city is where thousands of athletes will be living during the Paris Summer Olympics. Paris 2024 competition. So, what has the Olympics brought to this town? First, a refurbished stadium and a giant athlete complex called Heritage. Plus, brand new metro stations that connect the city to the two busiest airports in the region. And have I mentioned thousands of free tickets for the opening ceremonies and the competitions have been distributed? So it looks like as a city, Saint-Denis has hit the jackpot. But do the locals also feel this way? Les moyens de transport ils sont améliorés. À côté du Stade de France, et franchement la sécurité et la propreté c'est nickel. Il y a donc la nouvelle piscine olympique qui a été construite et donc c'est formidable pour nous. Nous espérons aussi que de pouvoir en profiter. Le souci ici, je vous dis franchement, la sécurité c'est pas encore assez. Il y en a, ça commence, mais il n'est pas encore assez. Ils font vraiment trop, donc ça commence à être gênant un tout petit peu là pour l'instant. Mais ça va venir pendant les JO, vous allez voir. Hein. Même pour sortir du train ou pour prendre le métro. Voilà, ils vont te demander tes papiers, tes trucs, tout ça. Donc voilà, la sécurité elle est renforcée vraiment. The Olympics might only last for a summer, but the developments introduced by the games could last for decades. Remember the Heritage? The authorities have planned to turn this athletic complex into 3,000 apartments and commercial offices as soon as next year. But nothing comes free, and like its predecessors, Saint-Denis might soon grapple with increasing gentrification. It is reported that the average rent in Stratford rose 25% in just a few months after money rained into that Olympic village for the 2012 London Games. Au long terme, non, je crois pas. Et cette village, toutes ces appartements, ils vont être mettre en location après. Ce qui est infrastructure sportive, tout ça, ça va profiter la ville, bien sûr. Mais après, sur le plan économique, je vois pas grand chose. D'avoir les Jeux Olympiques dans une banlieue où il y a beaucoup de pauvreté. C'est une banlieue, il y a beaucoup d'immigration. Et s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques, je pense que le changement n'aurait pas été si rapide et si positif. Bus 139, direction Saint-Denis, Ampère.